Meghan Markle était une membre active de la famille royale. Le problème de Meghan Markle, duchesse de Sussex, serait son excès de confiance en elle, selon Robert Lacey. Tom Bower, un autre auteur royal, accuse l'épouse du prince Harry, duc de Sussex, d'avoir refusé de changer son approche. Robert Lacey, cité par l'article de The Mirror du 8 novembre 2022, est l'auteur du livre Battle of Brothers. The Mirror évoque le fait que la firme éprouve des difficultés à trouver un rôle pour les frères et sœurs héritiers, les Spar, et leur époux et épouse. Dans son livre, l'auteur Lacey a déclaré, « Ce que vous devez réaliser, si estime que toute la stratégie de la monarchie était basée sur le fait qu'il se serre les coudes. » Il continue en affirmant que Meghan a changé tout cela. Elle est difficile, avant de préciser, elle a un niveau incroyable et dangereux de confiance en elle. À découvrir aussi Cycling News Vice Gravel Biking, Cycling News Bar Vertical sponsorisé par Taboola. Par Taboola, d'après Lacey, le palais a toujours mal traité les second-nés, comme le prince Harry, duc de Sussex, 38 ans, étant donné qu'il est le frère cadet du prince William, prince de Galles, 40 ans. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire avec le remplaçant et ils ne savent certainement pas quoi faire avec la femme du remplaçant, a déclaré l'auteur royal. Tom Bower, un autre auteur royal, confirme comment l'ancienne actrice de 41 ans, Meghan Markle, était difficile à gérer pour le palais et la famille royale. Dans son livre Revenge, Meghan, Harry et la guerre entre les Windsor, Tom Bower suggère que si est-il parce que la femme du prince Harry a refusé de changer son approche vis-à-vis de ses responsabilités royales. Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a refusé d'apprendre les ficelles du métier. Tom Bower a comparé les approches de Kate Middleton, princesse de Galles, et de Meghan Markle, duchesse de Sussex, vis-à-vis de leurs responsabilités respectives. Selon lui, l'épouse du prince William a eu une approche prudente des fonctions royales. L'approche de Kate Middleton consistait à apprendre les ficelles du métier avant de s'engager dans des fonctions royales. Toujours d'après Bower, cité par The Mirror, Meghan Markle, quant à elle, n'arrêtait pas de courir seule. Mais quelle était sa destination? Et avec qui courait-elle? Se rendait-elle compte que la famille royale courait ensemble sous l'égide du monarque, et non en tant qu'individu compétitif? S'interroge l'auteur.